Voilà, le système peut tomber. Mais si on est là à demander une sixième république, c'est un piège. Il y a déjà eu cinq républiques. Regardez comment ça s'est passé. Regardez la définition de république. Une république, c'est pas forcément une démocratie. Alors, l'anarchie peut être démocratique, mais une république n'est pas forcément démocratique. Mais oui, une monarchie démocratique, parce que, à savoir, beaucoup de gens l'ignorent. Mais énormément de rois en France ont été élus. Ils ont été élus rois. Eh oui. Les élections pour être roi. Non, après, tout peut changer quasi du jour au lendemain, mais après, c'est recycler les gens. Les gens qui ne savent même pas s'ils ont. Il y a énormément de gens, je dirais des millions, peut-être des milliards, malheureusement, de gens qui ne savent pas ce qu'ils auraient voulu faire dans la vie, tellement ils sont pris dans les problèmes du quotidien, quoi. Les gens, ils ont été à l'école, voilà, ils sont sortis de l'école, ils bossent, je sais pas, à l'usine. Puis leur vie, c'est que ça, monter à l'usine, rentrer le soir, manger, regarder la télé, le lendemain, ils vont monter à l'usine, ils ne même pas. Tu vois. Mais pour eux, l'important, c'est de travailler, et c'est tout, pour vivre, mais voilà, vivre sans passion, sans rien, sans, je sais pas, c'est ouf, quoi. Et ils vivent par procuration, au travers des films, des séries, des télé-réalités, machin. En répondant à ceux qui n'auront jamais. Voilà quoi. Des gens qui n'ont pas réfléchi ou qui réfléchissent pas à ce qu'ils voudraient devenir, ce qu'ils ont voulu devenir. Mais ces gens-là, il va falloir les recycler si tu as pris l'habitude de bosser dans une usine pendant 30 ans, d'un coup tu n'as plus l'usine que pourquoi. Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses, tu vois, c'est pas rien de changer de système. Mais ça en vaut la peine. Ça va être long, difficile. Il y a des choses qui changeront plus vite que d'autres. Mais c'est pas rien. Là, pour une fois, les gens. Les frères, les sœurs, on a une chance pour pouvoir renverser ce système. Faut pas lâcher. Une fois qu'on a vraiment cette chance-là, faut pas lâcher. On en a tous rêvé. Quelque part. Un soulèvement populaire. Mais il y a un truc. C'est que le gouvernement va essayer de nous donner encore une carotte qu'on va refuser.